Du coup, si tu devais mettre une note sur 10 au grec, tu mettrais combien? Bien, c'est ça que vous faites quand je suis pas là. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de la petite Mimi, ça va quoi? Yo. Donc Myriam, il y a un truc qu'il faut que tu saches. Quand t'étais pas né, je sais même pas si t'étais né à ce moment-là, mais quand t'étais pas né ou tu venais de naître, j'étais le boss des pranks sur YouTube et je faisais des pranks de malade. Ah ouais? J'avais fait un prank qui avait cartonné sur YouTube. C'était je mange en cachette. Tu sais qu'avant, avant que j'étais chez toi malade de l'estomac, ouais, je mangeais tout le temps au grec, au pizza, McDo, les abonnés pourront te dire. Et avant, je faisais que des pranks où en mode je mangeais en cachette ou des trucs de fou malade. D'ailleurs, regardez cet extrait là. Allah, le mien, il a l'air tellement. Oh, le goûter. Vas-y. Oh là là, le mien. Tu vas le dévorer ou quoi? Ah ouais, t'es mort. Fromage. Vas-y, vas-y, frère. Oh là là, il se doit être super bon. Alors, verdict. Vous avez vu la famille, j'avais fait le big prank qu'on mange en cachette avec Issa à l'ancienne. Là, Myriam, cette fois-ci, on va faire la même chose. Je sais très bien que Younes, en ce moment, il est en diète. Ouais. Il mange que des légumes, salades. Voilà. Et un jour par semaine, il a le droit de faire un cheat meal, c'est-à-dire manger ce qu'il veut. Ouais. Là, on va manger en cachette au grec. Moi, je peux pas manger, mais toi, tu vas manger en cachette au grec. Et Younes, quand il va te dire, viens, on va au grec, parce que je sais qu'il voudra aller au grec, tu lui diras non. Là, Myriam, t'as le choix, regarde. Regarde ce qu'il y a là-haut. Tac, sandwich. Tout ça, toi tu pars sur quoi toi? Un grec, la base. Je vais prendre un chicken en sandwich normal, sauce mayonnaise ketchup, sans salade, sans tomate, sans oignon. Oh, vas-y, ça envoie tout ça. Je vais te montrer la vidéo que j'ai fait à Younes à l'ancienne et ça va te donner faim. C'est là où on est. En plus, c'était dans ce grec là. Hein. Tiens, ça c'est la base. Je sais pas si vous faites ça quand vous mangez pour regarder une vidéo de bouffe. Merci beaucoup. Voilà, merci. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Merci. Premier verre, il y a une règle d'or. On commence toujours par les frites. Tu vas prendre une frite, ketchup mayo, s'il te plaît. Bismillah. Elle est belle. Elle est belle. Et comme tu dis, on dit quoi, Younes, dans la caméra, un petit message? Fallait être là. Eh ouais, fallait être là, Younes. Du coup, bah, Myriam va se régaler. Je vais vous montrer le grec de plus près. Oh là là là. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette dinguerie. Tu vois le fromage et tout là, Younes, il fallait être là, frère. Il y a même de la fumée. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais en tout cas, ça a l'air incroyable. Myriam, est-ce que tu me permets de faire une expérience, s'il te plaît? Je peux? Je peux ou pas? On va faire ça. Tac. Vas-y, super. Tac. J'en étais sûr. Tac. Ça, c'est incroyable, ça. Tac. Tac. Et puis, tac. Et là, tu vois, Myriam, tu vas prendre ça là, tu vas faire ton méga pro. Ok? C'est chaud un peu. Attends que ça refroidisse. Pour l'instant, tape les frites. Ça refroidit et puis c'est chaud. La famille, moi je peux peut-être pas manger, mais les pranks vont être de retour, vous allez voir. Les pranks vont être de retour. Et puis un petit message pour Younes, bah continue à manger tes tomates. Continue à manger tes tomates et des carottes là. Et tes salades. Et pendant que nous on mange des grecs, frère. Et comme on dit, fallait être là. Dites-lui dans les commentaires, fallait être là. Fallait être là, frère. Merci beaucoup. Je vous ai dit, c'est la base. Voilà. La base, c'est quoi? C'est quand tu manges, toujours regarder une vidéo. Je sais pas si vous regardez une vidéo ou quoi quand vous mangez, mais c'est toujours la base. L'oasis, comment il est frais? Oh non, 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 non. Il est super froid, fais gaffe. Hein. Alors, regarde comment il est dégusté. Bon, maintenant j'ai une question à vous poser dans les commentaires. Faites pause. Est-ce qu'à votre avis, elle va finir son grec ou pas? Regardez, il y a le grec plus tout ça comme frites. Quoi, tout ça, je t'appuie. Est-ce que tu vas finir, toi, tu penses? Vous pouvez mettre dans les commentaires si ça va le finir. On verra. Vas-y, tape mon pot. Tchalala, regardez, elle en a partout. Alors, il est bon ou pas? Il est incroyable, non? D'ailleurs, si vous voulez un conseil d'une compo, ma compo c'était quoi? Tu prends un chicken au four. Au four, c'est quoi? C'est en gros, c'est le pain, il est gratiné. Tu prends ça en chicken au four, pas la viande de grec, la viande de chicken, c'est la meilleure. En sauce, tu mets mayo samouraï, sans tomate, sans oignon. C'est incroyable. Essayez, vous allez voir. Bon, donc là, Yassine, je te propose un truc. Si tu gagnes au perfect ciseau, bah, je mange le grec. Et si tu perds, bah, tu manges. Je peux pas manger un grec, moi. Vas-y, vas-y. Comme tu es mort. T'inquiète, ma tête. Vas-y. Attends. Là, on est d'accord qu'il y a pierre, feuille ou ciseau?
Il n'y a pas le puits. Ok. Pierre, ciseaux. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Du coup, tape-nous encore un méga gros, s'il te plaît. Un méga, méga gros. À la fois, je oh là là, en plus, c'est tapé un gros au milieu, t'as vu. Oh, ça doit être incroyable. C'est goûtu. Si un jour une personne elle mange des grecs, elle devient riche, genre grave, grave, grave riche, millionnaire. Est-ce qu'elle va continuer à manger des grecs ou est-ce qu'elle va aller dans les restaurants de malades, genre grave cher? Moi personnellement, ça va? Doucement. Doucement. Arrête de rigoler. Oh là là. Ça va? Ah, c'est parce que t'as pas attendu Younes, hein. C'est pour ça que t'as eu ça. Moi personnellement, si un jour genre, je serais devenu millionnaire ou quoi, je pense que j'aurais pas changé. Hein. Toujours tacos, grec, pizza, frère, c'est la base. Dans la vidéo, Younes, il mange. Ouais, t'as vu, on regarde une vidéo. Regardez, Younes, c'est fâche. Younes, il a pris une grosse assiette plus un grec. Et là, il va devoir manger des légumes. Younes, il me tue parce que vous savez pourquoi, je vais vous dire la vérité. Vous savez pourquoi Younes, il vient avec Myriam au grec à chaque fois? Est-ce que tu sais toi pourquoi il vient tout le temps avec toi? Parce qu'il sait qu'elle finit pas ses assiettes et qu'il pourra finir à sa place. Du coup, bah, là, la prochaine fois, je vais tout finir comme ça, il aura rien. Exactement. Là, il est pas là, donc tu peux tout finir. Elle est belle. Toutes les 5 secondes, il fait ça. Il mange, regarde à droite, t'en veux encore tes prix, pareil, prends les prix. T'en veux encore ton grec, il prend son grec. Donc là, Myriam va faire la spéciale Younes en dédicace à Younes. Younes, il fait quoi? Il prend un bout de pain. Voilà, il prend un bout de pain. Tu prends de la viande, tu mets dedans. Tu prends des frites. Prends des frites. Tac. Tu trempes dans les sauces. Ça, c'est la spéciale Younes. Hein. Tu trempes dans les sauces, les deux sauces. Et puis tu tapes un méga croc. Elle est belle, elle est douce. Ça, c'est la spéciale Younes, la famille qui fait tout le temps ça. Et d'ailleurs, dites-moi, j'avais une petite question aussi à vous poser. Là, ça va être l'été, ça va être les vacances. Est-ce que vous partez en vacances? Et si oui, vous partez où en vacances? Dis ça aussi dans les commentaires, la famille. Bon, Myriam, elle arrive à un stade critique là. Il lui reste que ça. Il lui reste que ça. Est-ce que t'as encore faim ou pas? Dis la vérité. Un petit peu? Vas-y, bon, mange ce que tu peux manger. On va pas te forcer. On va pas te forcer à manger. Et on va voir qu'elle va arriver jusqu'à où. Là, là t'as actuellement 8 ans. Est-ce que tu te rappelles qu'un jour, quand Younes t'avais préparé un tacos, t'avais fait ça? J'en veux plus. Même pas un croc. Et là, machallah, regardez, elle a fini presque tout le grec. Du coup, si tu devais mettre une note sur 10 au grec, tu mettrais combien? 10 carrément? Bon, maintenant, là, on va parler sérieusement, Myriam. Écoute, hein, écoute-moi bien. Là, on va rentrer. Tu sais très bien qu'Younes, il t'attend pour aller au grec. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu trouves une méga excuse pour pas aller au grec avec lui. Est-ce que t'as réfléchi? Non mais sinon, si tu dis t'as mal au ventre, il va dire que t'as mangé au grec. Du coup, il faut que tu lui dises quelque chose. Tu peux lui dire quoi? Tu peux lui dire Younes, tu fais avec ta tête de mesquita, tu fais Younes, tu es fucking gay. Tu peux faire ça. A few moments later. Vous faites quoi là? Myriam, on y va? Allez. Hey, il fait pas trop chaud aujourd'hui, ça va? Ouais, c'est... Vas-y, on y va, on va manger un grec. Ah, mais je suis fatiguée. Non, on va manger un grec, vous m'accompagnez. Où? On va manger un grec. Moi, je peux pas manger de grec, moi. Arrête. Je peux pas manger. Non, mais accompagnez-moi. Allez-y, vous, moi, je suis pas. Ouais, c'est pas bien, mais là, on y va. Mais je suis fatiguée. Mais on va manger un grec, oui, c'est grand bon, les grecs, ça va te mettre de l'énergie. Elle est fatiguée, laisse-la tranquille. Et on va se reposer. Attends, mais comment ça? D'habitude, elle vient tout le temps avec moi. Elle est fatiguée, elle a dit. Tu vas pas la forcer à manger un grec. J'ai pas viens, dormi. On va manger un grec. Pourquoi t'es dans cet état? Qu'est-ce que t'as? Parce que je suis fatiguée. T'as de la fièvre? Allez, va mettre tes baskets, on va manger un grec, on revient. Elle a dit non, elle veut pas arrêter de forcer les gens. Il n'y a pas de grec, mange des légumes. C'est-à-dire que je fais pas cheat meal, là. Allez, tous vous faire foutre. Appelez-moi pour un truc, vous allez voir si je vais venir moi aussi. Bien, c'est ça que vous faites quand je suis pas là? Foutez de ma gueule! C'est trop nul. Oh! Voilà, famille, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, nous on vous laisse là. Ciao! Ciao!